Yo Duelist, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui je sais, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de contenu, j'avoue que je manque quand même pas mal de temps, là j'ai mon setup qui est pas du tout aux endroits de d'habitude, parce que j'ai mon nouveau bureau qui arrive d'ici quelques temps, et j'ai bien trop hâte de pouvoir reprendre sérieusement les vidéos dans ce nouveau bureau. Aujourd'hui je vais vous parler de Duel Master, puisque c'est un jeu auquel j'ai quand même pas mal joué, il y a déjà énormément de vidéos sur le sujet, et j'avoue que j'avais pas grand chose à apporter à tout ce qu'a déjà pu faire Volt, ou encore Yubel, ou encore Zulu, enfin voilà, ils ont déjà fait du contenu incroyable, aussi bien pour débuter que les decks cher à utiliser pour commencer, mais la chose qui me chagrinait un petit peu, c'est que moi je joue un deck qui est visiblement pas considéré comme véritable deck méta, cependant je suis quand même platine 1 avec des grandes séries de victoires consécutives, on en reverra ça dans la vidéo. Aujourd'hui je vous parle simplement de Atinister qui est un deck que je vous ai déjà présenté, que je joue déjà IRL, et qui marche vraiment très fort dans le jeu. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je veux vous parler de ce deck là, notamment parce qu'il est vraiment pas très cher à craft, et je trouve que pour monter platine 1 avec un minimum d'investissement, c'est probablement une des meilleures façon. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sans plus attendre sur la deuxième caméra, à savoir simplement le record du jeu. Vous verrez toujours ma petite tête normalement. J'ai essayé de bricoler un setup, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, comme d'habitude. Dites-moi vous quel deck vous jouez et quel, et bien tout simplement, rang vous avez réussi à atteindre avec cette première saison. Et peut-être que cette vidéo sortira après la fin de la première saison. J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est parti pour cette vidéo. Ok, donc on se retrouve sur le jeu. Donc là, je vous donne mon petit identifiant. Tac. N'hésitez pas à m'abonner, j'ai 13 abonnés pour l'instant. J'avoue que j'ai pas encore trop communiqué sur le jeu. J'ai même pas changé les détails ou quoi que ce soit. J'avoue que j'ai pas trop poncé cette partie-là. Ce qui m'intéresse surtout de vous montrer, c'est la partie Platine 1. Et la partie surtout 14 victoires consécutives en platine 1. J'avoue que c'est peut-être pas incroyable, certains peut-être me diront que c'est quelque chose de classique et que plein de joueurs ont fait ça, mais j'avoue que je trouve que faire plein de victoires de suite en gold, bah, ça paraît pas trop incroyable, alors qu'en platine je trouve ça quand même assez fort. Actuellement je joue ce deck là. C'est la version méta que j'ai pu craft au fur et à mesure de l'avancement. Là, on est à 20 plus ultra rare dans le main deck. C'est vraiment pas du tout cette version-là dont je vais vous parler. Mais c'est parce que c'est aussi pas du tout cette version-là avec laquelle j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à jouer avec cette version-là. C'était vraiment exactement la même version. Là, je l'ai recraft simplement pour l'exemple. Et je pense que c'est un deck qui est sûrement un des decks jouables de façon complète. Là, c'est vraiment la version avec laquelle je suis monté au tout début avant de commencer à craft bah, ma deuxième hache, ma troisième hache, commencer à ajouter des jugements ou ce genre de choses. Parce que bah, tu gagnes des boosters au fur et à mesure, tu gagnes des gemmes au fur et à mesure et tu peux crafter tes cartes. Mais tu peux commencer avec cette version-là. Cette version-là, je vous affiche juste ici. Il faut 7 normales, 19 rares, 18 super et seulement 7 ultra rares. Les 7 ultra rares, c'est quoi? C'est les 3 cinettes minage qui sont juste ici. Et après, c'est l'extra deck. Donc celle-ci qui tombe assez facilement. Enfin, c'est dans les boosters à Atinister tout simplement. Le Templier, le Access Code et le Arrival. Pourquoi je compte pas Monster Rebound? Parce qu'on vous l'offre. Pourquoi je compte pas Orage Foudroyant? Parce que Orage Foudroyant, H et Jugement. Parce qu'en fait, c'est des cartes qui sont offertes. Enfin, qui sont offertes entre guillemets. Vous savez, dans le. Dans le shop là, il y a le truc, je sais pas où c'est le truc spécial, voilà c'est ça. C'est que ces boosters là, ça vous coûte 2250 gemmes et vous avez 3 ultra rares, ces 3 là en fait, c'est pour ça que je les ai mis dans le deck parce qu'elles sont beaucoup trop fortes pour commencer. Et 30 boosters, juste ça, vous les avez gratuitement au début du jeu, enfin gratuitement. C'est-à-dire que là les récompenses du jeu au début sont tellement intéressantes que bah, tu les as facilement. Et bah, tu peux à mon avis avec juste ça, te craft l'intégralité de ce deck là. Pour reprendre un petit peu le deck là, pourquoi je joue ce deck là, c'est parce qu'il est d'une part, j'apprécie le jouer. D'autre part, il bénéficie d'une énorme aide avec le fameux BO1, puisque bah, Arrival, c'est une carte qui est vraiment pénible à gérer. Quand tu arrives à faire ton board classique, donc cette carte-là, je rappelle qu'elle gagne 1000 d'attaque par monstre utilisé. Si tu arrives à faire ton board classique, elle est à 6000, plus elle est inaffectée, plus elle pète une carte tous les tours. Vraiment, un monstre inaffecté à 6000, c'est-à-dire que même Access Code, la plupart du temps, on le gère pas. Et au pire, s'il le gère, on aura toujours Dan-Marie pour l'annuler et garder notre Arrival. Et derrière, le gars, il a claqué sûrement toutes ses ressources. Zeus le gère pas. Le seul moyen de le passer, c'est Kaiju Golem de lave, j'avoue que j'en vois vraiment pas beaucoup, ça arrive, mais même sous le Kaiju Golem de lave, derrière t'en as toujours le package, le petit jammer to access code, et derrière clean le board, tape deux fois à 4003 et c'est réglé. Ce deck là, il est vraiment fort, parce qu'en fait il a deux plays. Alors je vais insister sur le fait qu'il soit fort, etc, c'est mon point de vue, d'accord, peut-être que plein de personnes trouveront que c'est pas le cas. Encore une fois, je pense que voilà, faire platine 1 avec, c'est actuellement l'un des meilleurs moyens de dire qu'il est fort. Il coûte pas cher, il est fort parce qu'en fait il a deux plays. Le premier, c'est tu poses Arrival, Arrival 6000 ingérable, ben, en BO1 la plupart du temps, soit ça se coupe, soit en face ça essaie de faire des plays, ça fait rien, et le tour d'après tu clean ses cartes, tu tapes, t'as gagné. Soit tu joues, donc ça c'est quand tu joues premier. Si tu joues deuxième, ben, on va simplement chercher à faire Access Code, parce que Access Code, je rappelle, cette carte là, grâce à Jammer, pourra taper deux fois. Elle va pouvoir péter une carte sur le terrain, la personne ne peut pas répondre aux effets de pétage de cartes. D'ailleurs, dans le cimetière, nous on aura un Dark,
deux darks, mais on va dire qu'un seul. Un vent, un haut, probablement un terre, c'est pas sûr. Et du coup, bah déjà, t'as qu'à péter une, deux, trois, quatre cartes sur le terrain. L'adversaire peut pas répondre. Derrière, tu tapes deux fois. Avec un peu de chance, t'as peut-être fait un quantum qui va compulser une carte, puis encore taper à 2005 derrière. Donc ça, c'est quand même assez fort. Ces deux combos, ils sont assez faciles à prendre en main. D'ailleurs, j'avais déjà fait des vidéos expliquant comment jouer à Tinister. Je vous mets le lien un des deux côtés. Je crois que c'est de ce côté-là. Parce que en fait, les combos, que ça soit sur Master Duel ou que ça soit sur le TCG, ben bah, en fait, c'est exactement les mêmes. Le combo, il est super simple, c'est du Warn Card combo. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 starter. C'est en fait ce que j'ai visé dans ce deck-là, cette version-là du deck, c'est que je voulais quelque chose d'ultra stable. Je voulais ne jamais brick. C'est souvent que tu vois des adversaires, 7, 2 passent parce qu'ils ont brick. Ce que je voulais avec cette version-là, c'est que c'était une version qui ne brick jamais. Donc on a nos 12 starters, c'est quand même fort. On rajoute des moteurs de pioche qui sont pas négligeables. C'est pour ça que j'ai grossi les Doyon dans cette version-là. Et on rajoute également le moteur de pioche intégré au deck qui lui-même dit pioche 3. Je rappelle que pour piocher 3, il faut que tu aies un terrain sur le terrain et un terrain dans ta main, sachant que cette carte-là va tuto ça ou ça, en fonction de ce que tu as déjà en main, et que cette carte-là va tuto ça. Donc en fait, le pioche 3, je l'ai cut à plus haut niveau, parce que en fait, souvent, tu n'as pas besoin, tu veux aller directement à l'essentiel, mais à bas niveau, quand j'ai commencé rookie, etc., c'est normal, ça coûte rien à craft, et derrière, tu peux piocher 3, ça veut dire que soit tu débriques, soit tu vas simplement aller chercher un torrential en plus ou un compuls en plus. Je rappelle que torrential, si tu l'assètes, que tu l'actives, ça va pas détruire ton arrival, parce qu'elle est inaffectée. Pourquoi je joue compuls? Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui nécessitent leur normal sur le terrain et que ça reste une rare, donc c'est assez intéressant. J'avais joué à un moment rivalry, mais c'était super rare, donc c'était un petit peu plus cher, et en fait je crois que j'avais remis compulse par la suite, donc ça en soi c'est vraiment très cool. C'est un deck qui évolue facilement, comme vous avez pu le voir. Donc ça c'est la version budget entre guillemets, et ça c'est la version plus méta que je joue. La version évolue pas mal, les cartes, vous voyez, il y a des cross-out, les call-by, si vous pouvez essayer de les craft rapidement, c'est une bonne chose. Les droplets, les imperms, c'est des cartes qui coûtent cher, mais c'est des cartes que tu vas craft tout simplement au fur et à mesure de l'avancement de ton deck. T'es pas obligé d'avoir cette liste-là pour commencer le jeu. Et encore une fois, c'est une liste que j'ai fait 100% en free-to-play, donc ça veut dire que tu peux faire cette liste-là et monter Platine 1, la preuve, je l'ai fait, eh bien, gratuitement. Juste en jouant, et en plus de ça j'ai pas eu trop de temps pour jouer, j'ai vraiment c'est pour ça que c'est cool d'avoir fait des longues sessions de victoire, parce que ça me permet d'avancer, j'ai l'impression en tout cas un petit peu plus vite, et voilà, tout simplement, pas grand chose à vous dire de plus. Pourquoi c'est cool de jouer à Tinister, c'est une dernier petit bonus. Vous savez, des fois dans les boosters là, je crois que j'en ai plus, je crois que je les ai ouverts, pas bonus, voilà, ici. Vous savez, des fois, vous avez des bonus, des boosters en plus, et en fonction des récompenses que tu as gagnées, en fonction de tes duels. Et en fait, le truc cool avec Atinister, et je vous mettrai un screen qui s'affichera, c'est que quand tu tapes à plus de 5000, chose que tu fais assez facilement, soit avec Arrival, soit avec Access Code, tu as 1500 ou 1000 de bonus, en fait. Donc, ça t'aide vraiment à, d'une part, XP plus vite, et d'autre part, avoir plus de bonus, en fait, lorsque tu joues, tout simplement. Ça bat très facilement la méta, et c'est pour ça que c'est une chose qui est assez intéressante, c'est que, ce deck-là, il est très facile à prendre en main, et encore une fois c'est du one card combo, donc c'est très consistant. On a ça pour se protéger de la méta, on a ça pour se protéger des éventuels combos qui commencent ou des maxés qui peuvent littéralement te faire terminer ton tour. On a ça pour go 2, on a ça pour go 2, on a ça pour go 2. Les désignateurs, j'avoue que j'en ai craft un troisième, je crois. Ouais, non, j'en ai que deux, pardon. Il me semblait que j'en avais craft un troisième, mais non, j'avoue que j'en ai jamais eu besoin de plus. Ça pourrait éventuellement être discutable. Ça c'est la version vraiment méta, la version classique, celle avec laquelle j'ai commencé. Il y avait aucun counter, hein, tout simplement, il y avait aucun counter. Peut-être que les call-by sont arrivés assez vite, je sais plus comment j'ai obtenu les call-by. Il y a pas un truc qui explique comment les obtenir. Peut-être qu'il y en a un qui est donné, hein. Non, c'est des trucs que j'ai dû faire tomber. Mais du coup, voilà. Ce que je vous propose, c'est simplement qu'on aille simplement mater des replays vis-à-vis de la méta, pour que vous ayez plus d'infos et plus d'éléments par rapport à tout ça. Je pense que cette liste-là, c'est la liste probablement la plus forte. Ça peut être discutable par rapport à Doshin, parce que tu peux éventuellement spé le haut à la place. Mais ce que j'aime bien avec Doshin, c'est que tu peux le tuto, du coup, parce que tu as transcode. Voilà, c'est discutable. Moi, je trouve que cette liste-là est assez stable. Et ce qui est certain, c'est que cette liste-là, celle avec laquelle j'ai commencé à jouer, c'est sûrement une des listes les plus stables du monde. C'est-à-dire que tu as 12 starters pour commencer. La plupart des decks que tu vas affronter au début, c'est pas du tout des decks méta, donc ils auront un starter bancal. Toi, t'es là, t'es let's go. T'as ton pioche 2, t'as ton pioche 3, t'as même un clean MP. Alors j'avoue que celui-là, c'est parce qu'il est offert, que je les cut plus tard, et si j'en avais un side, il serait probablement un side. T'as les Graals qui permettent, qui sont des rares en fait, qui permettent c'est des droplets du pauvre, hein, tout simplement, et ça marche très très bien. Et puis ça, c'est vraiment super fort. Le jugement, il fait toujours plaisir, on va pas se mentir. Et voilà, c'est vraiment une decklist que je trouve très stable. Au niveau de l'extra deck, on a le Cantique.
qui permet de compulse. J'avoue qu'on le fait souvent pour Go 2 ou pour gérer des monstres qui peuvent pas être détruits, parce que lui il va simplement compulse, donc ça c'est cool. Le Pégase qui est super fort, qui va gérer des MP. J'avoue que je m'en suis quand même pas mal servi contre les liches, t'en trouves beaucoup de liches qui pètent des MP en fonction du nombre d'Atinistar que t'as sur le terrain. Du coup bah c'est assez simple, mais le deck en lui-même peut gérer des pets MP avec un monstre de l'archétype. Lui fait la même chose mais avec les monstres. Du coup ça c'est quand tu prends Caillou, bah du coup tu fais ça dessus et tu peux repartir, t'as libéré ta zone pour pouvoir faire Atinistar Island. Les deux enfants, c'est nécessaire pour le combo de base. Wicked, parce qu'elle va tuto simplement vous rourou. Le Jammer, je sais même pas si j'ai besoin de l'expliquer. Les deux Splash pour pouvoir aller au grand game et puis pour le combo de base. Le Transcode, parce que c'est également une carte très très forte pour le grand game. Puis après, c'est des cartes basiques du deck. Dans le deck en lui-même, il n'y a rien de très spicy que j'ai déjà pu présenter, de différent que j'ai déjà pu présenter, à part éventuellement les free spots. Mais voyez, là, si on fait l'état des lieux sur les free spots, on a un free spot, deux free spots, trois free spots. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, ça doit être ça. Donc 14 free spots de base sur la version de base. Donc ça veut dire que si, de la version budget, donc si vous avez des free spots qui sont déjà tombés, bah vous pouvez les remplacer facilement. Et sur la version méta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tac, 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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On a 20 free spot main, si je me trompe pas, j'avoue que j'ai compté assez vite. Donc c'est la moitié du deck, et encore une fois, on a une très très bonne stabilité. On va aller mater des replays. J'avoue que je sais pas trop où je trouve les replays. Ça fait partie des choses que j'ai pas forcément... Oh, bah, très bien, c'est là. Que j'ai pas forcément cherché, c'était un peu random. On va mater le dernier que j'ai gardé, tout simplement. J'avoue que je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va me permettre aussi de vous expliquer certains plays, et puis je vais essayer de faire un ou deux replays si c'est pas trop long, et on aura terminé avec cette vidéo. Ce que je voulais, c'était vous montrer ce deck et cette liste qui m'a permis de monter Platine 1 free to play et vraiment gratuitement. Là on a une liste, une main qui est Go 1 je suppose, parce que si c'est pas Go 1 c'est pas fou. Ouais, c'est une main Go 1. Et peut-être que l'adversaire a pas de N-Trap. Ouais, il a pas l'air d'avoir de N-Trap. On a une main qui est plutôt intéressante, mais qui est pas forcément intéressante si on joue pas Island, si on joue pas le moteur de pioche, ce qui est le cas. Est-ce qu'on peut accélérer un petit peu les plays là? Ah, ça a l'air d'être allé un peu plus vite, ouais, bon, c'est nickel. Donc là, je vais spé le Picari, Pika, il va chercher la tuto, sachant que j'ai déjà signé Tinage en main, donc techniquement, j'en avais pas besoin, mais c'est plus pour m'assurer les plays. Souvent, je vais faire Desire quand j'ai déjà récupéré tous mes x1, comme ça, après, parce que je banne, en fait, je m'en fous, tout simplement. Là, je vais chercher Doyon, j'ai montré Templar, parce que c'est cool, je sais que je vais invoquer Templar, donc je me burnerai pas. Résolution, je vais tuto mon Bourourou et je vais récupérer ce que j'ai norme. Ça doit être le HHI que j'ai norme. Ouais, voilà. Parce que, en fait, vu que je l'ai norme, je peux le respé avec Island. Là, je vais chercher Doshin. Ça veut dire que je veux faire le monstre, le Harivol à 6000. Donc là, je récupère. J'ai 6 en main. J'ai plus de cartes que l'adversaire, sachant que c'est mon tour de jeu. Là, il va full dish, donc l'annulation. Là, j'ai récupéré tous mes x1, donc je pioche 2. Bon, je pioche un Desire. Franchement, ça c'est cool parce qu'au moins, ça sera plus le problème avec la bonne liste TCG. Là, je mets mon Pégase qui va aller au cimetière. Mais au cimetière, ça veut dire que si tu me détruis une carte sur le terrain, je vais pouvoir shuffle 1 dans le deck. C'est quand même assez fort. Je fais le Templar, comme ça, je me burn pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Derrière, je vais spé le Hachichi parce que je l'ai pas encore spé. Je fais l'enfant sous Templar. Du coup, effet Templar, effet enfant. Effet enfant décale de 1, rend divin tout simplement le Templar. Et là, je reborn 3. Et je vais spell Doshin. Voilà, c'est ça. Hop, je fais Harivol à 6000. Et je sais pas ce que je set. Ça serait pas très malin de. Bon, j'ai tout set. J'allais dire, c'est pas très malin de tout set. Mais j'avoue que visiblement, c'est ce que j'ai fait. Donc, je joue contre un Edlish, d'accord. J'avoue que j'ai pris le premier replay. Si je l'ai sauvegardé, c'est qu'il y avait un truc intéressant. Tac, je reborn Pégase, ok. Ah oui, je sais pourquoi je reborn Pégase. J'ai pété le monstre avec Harivol. Là, j'ai deux monstres sur le terrain. Je vais l'annuler. Voilà, je vais annuler Skill Drain pour pouvoir passer au-dessus. Et du coup, je vais péter 2 MP sur le terrain. 3 MP puisque j'ai le token. Donc, en gros, je clean son board très clairement. Et bah, je vais. Ouais, voilà, il a ce coup. Parce que j'allais dire, sinon, je vais juste taper. Et j'allais gagner dans tous les cas. J'avais largement plus de 6000. On va s'en prendre un autre. Mais c'est que. Ça, c'est quoi j'avoue que je sais pas en fait. Je sais pas. J'aurais peut-être dû regarder les replays avant. Mais encore une fois, j'ai pas trop de temps. Je me suis dit, vas-y, lance le record. On verra bien ce que ça donne. Ok, la game est giga longue à lancer. Ah, non, c'est peut-être le replay qui est giga long. Alors, j'aimerais bien une game où je vais go 2 en fait. Oh, j'ai une main pas folle. Hein. En vrai, double Picari, c'est pas fou. Ok, bon, je suis go 2. Ah, je joue contre un SS. Ok. Il pose 2. Effet, je vais probablement la imperm. Ouais, voilà. Pour pas que ça passe. Donc, sachant que SS, c'est pas forcément un très mauvais match-up. Hein. On gère plutôt bien les SS. Hein. Donc, moi, je draw quoi?
Ok, je draw ma Reborn. Effet, il va peut-être vouloir la gérer. Veiler. Ok, ça marche. Je pense que je laisse passer le Veiler. Je fais enfant avec. Pour aller tuto terrain. Je sais pas ce que je fais. Bah, ça paraît logique que je fasse enfant. Ah oui, il faut que j'accélère. Tain, c'est pour ça que c'est long depuis tout à l'heure. Voilà. Ok, il fait encre. C'est, ça fait beaucoup là, non? Double annulation. Mais en vrai, je crois que c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a un peu niqué de faire. J'ai 7 la droplette. Je vais H la tuto. Ok. Je crois que je lui laisse péter ma. Ah oui, c'est ça, je dois lui laisser péter mon enfant. Et derrière, je pose Jammer au TK. Là, visiblement, il a plus de réponse. Ce qui est plutôt une bonne chose pour moi. Je refais un enfant. Je retuto un terrain. Je vais chercher feu. Ouais, je vais tuto feu, du coup. Tac. Je vais sûrement chercher Doyon. Je fais les deux. J'utilise, à mon avis, je fais splash. Ouais. Je vais spé splash. Je vais spé Doyon. Effet, je vais récupérer ce que j'ai norme. Avec splash, je vais sûrement reborn Picari. Ouais, j'avais deux Pika, c'est pour ça. J'utilise les deux. Ah, je fais transcode. Ah oui, je sais. Je fais transcode pour qu'il soit. Pour que mon jammer soit sous. Soit sous le. Pour que mon access code soit sous transcode et que il puisse pas me cibler en fait. Donc là, je fais à mon avis access code avec les deux. Ouais, voilà, c'est ça. Et derrière, je clean board et je tape et je gagne. Donc là, du coup, il passe à 4006, je pense. Et du coup, tape deux fois. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, bah, je clean. Ouais, bon, il y avait un shark cannon et une. Et donc là, du coup, Là, il tente l'arrêt. Je fais droplet sur ray. Et derrière, je repète ray. Et derrière, tape deux fois, et voilà. Bon, j'ai même pas eu le temps de taper, mais j'ai gagné. Bon, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé d'expliquer la liste de base, quels étaient les starters, etc. Et la liste méta que j'ai joué, qui m'a servi pour aller platine 1, tout simplement. Les petites explications de replay, les petits tips par rapport à l'achat des boosters à 750 pour avoir les trois trucs de base. N'hésitez pas à m'ajouter sur le petite idée. Abonnez-vous, ça me fera plaisir sur Duel Master. Je sais pas encore à quoi ça va servir, j'avoue. Mais en vrai, ça me ferait quand même plaisir de savoir que vous êtes là. Peut-être que dans le temps, on pourra s'envoyer des cadeaux, ce genre de choses. Et en vrai, ça serait quand même plutôt cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement. Prenez soin de vous. Pas de nombre duel et collection de cartes. On se verra peut-être bientôt sur Master Duel. Ce sera avec grand plaisir. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao!